Ouais, et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure, un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Arrêtez! Allons! Je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour! Je suis un pinacosaure. Dites-le avec moi. Pinacosaure. Ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang. Moi, c'est Pic. Non! Attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Hey! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables! Ouais! Alors, bon spectacle! Ouais! On est à la fin de la période jurassique, il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez, un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire reptile volant. Mais je ne sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre un demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici.
Je suis sûre que je peux voler. Je suis sûre que je peux voler. Je suis sûre que je peux voler. Je peux voler. Eh ben ça alors, je peux voler. Génial. Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un synornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le synornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui aient existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le synornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Bonjour, soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique. Je suis un ultrasaure, ultra cool, ultra spécial, ultra gros. Il est facile de dire mon nom. Ultrasaure. Hé, hey, allosaure, tu veux me présenter? L'ultrasaure, le seul et unique. L'ultrasaure, c'est moi. Qui est le plus gros dinosaure entre tous? C'est moi. Je suis gros et grand. Grand comment, dis-nous? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien, je couvre tout l'étang. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! L'ultrasaure est le plus grand. Je suis un herbivore. Je mange des tonnes et des tonnes de plantes. Ouais! Il le faut pour devenir grand. Il est aussi grand qu'un autobus. En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Al. Je suis aussi haut qu'un édifice de 3 étages. Imposant. Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasaure. Quoi? Ils croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressemble. Non, t'es un ultrasaure, le seul et unique. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut? Eh ben, monte et tu verras. Oui, d'accord. Allez, hop! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Bonjour, je suis un Notronicus. Notronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut!
tous les trois, on parlait de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte... Salut tout le monde, je suis un Supersaurus. Je vous invite chez moi. À la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Donc mon nom veut dire super lézard parce que je suis énorme. Je suis un des plus grands dinosaures connus. Tu vas manger ça? Oui, Charlie, je vais le manger, d'accord? On doit manger toute la journée. C'est la seule façon de devenir aussi grand. Oh, je vais m'évanouir. Je vais mourir de faim. Je dois manger, et vite. Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ. Oh, de l'eau! De l'eau! Il me faut de l'eau! Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure. Oh, je meurs de soif. Oh, même que je délire. Maman? Maman, c'est toi? Non, Charlie, je suis pas ta maman. Ta mère est restée avec le troupeau. Mon cou est très très long, mais j'évite de trop le lever car il est très lourd. Mais il est parfait pour... me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé, de l'eau! Mais... laisse-en un peu, c'est mon tour. Allez, pousse-toi, tu veux? T'en fais donc pas, Charlie. Il y en a bien assez pour tout le monde. Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau. Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux États-Unis. Les amis, j'ai trouvé de l'eau là-bas, dans la forêt de conifères. Tu vas manger tout ça? Bonjour vous, je suis un Sinosauropteryx, un Sinosauropteryx, ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras... tada ! Couvert de jolies petites plumes. Wouhou! Mais je ne peux pas voler! Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière! Hey, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super cool! T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas! Mais... c'est vraiment très loin! Bien
bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam, miam! De la bonne viande! Allez, on y va! Oui, mais doucement! Ne me bouscule pas! Oups! De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes. Même que, parfois, elle est un peu encombrante. Cool! Oui, hein? Bon, à moi maintenant! Un séjour! Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un pteranodon. Répétez! Pteranodon, ça veut dire ailé et édenté. C'est vrai, dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, hey, pteranodon, je m'en vais au pique-nique, moi. Oh, le dino pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Comme tous les dinosaures. Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Tu es prêt? Allons-y! Je viens de l'état du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça, le secret. Un secret? J'adore les secrets! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien d'un secret, ça, pteranodon. Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparenté aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. À un de ces jours. Salut tout le monde! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure! 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 On est fort! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang! Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé! C'est un allosaure! Faites voir vos queues de clous! Bien, ces queues de clous sont super. Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous, hein? Stégosaure! 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 On est fort! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures? Ah, quelle équipe! Stégosaures, on est fort!
Oh, faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un Bipiazor. Eh oui, oui, j'ai des plumes. J'ai volé il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre. Mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soient. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler Poule Mouillée, pas Bipiazor, d'après le nom de la ville de Bipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Et tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi, je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux, vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long, je suis gros et plein de laine. Ouais, et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années je crois. Ah hey, pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Bon, oh! Tiens, tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup! Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ça va, petit malin? Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais.